Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Génération Optimiste. Merci à toute la communauté des Go-Optimistes d'être fidèle à cette invitation. Merci à toutes celles et à tous ceux qui viennent se joindre à nous. Nous voici donc pour un nouveau rendez-vous qui s'installe sur notre réseau, un rendez-vous unique car il s'agit de la semaine francophone de la PNL. L'occasion pour nous de vous offrir durant toute cette semaine un programme particulièrement fourni. Pour l'heure, nous sommes heureux de recevoir Paul Pyronnet, expert certifié Go et praticien PNL. Comme prévu et comme le veut la tradition, bienvenue à Paul Pyronnet pour cette deuxième soirée de la semaine francophone de la Paul, c'est à vous. Oui, merci Ludovic, merci encore à Génération Optimiste pour l'organisation de cette manifestation qui se déroule sur une semaine, centrée principalement sur la PNL. Alors hier, on a commencé par faire un petit tour d'horizon pour découvrir les 5 axes sur lesquels je vous propose d'avancer. On a vu hier les valeurs qu'on a associées au pouce. On va approfondir plus particulièrement la direction de vie, la notion d'objectif qu'on peut associer à l'index. Demain, on verra les comportements et les sentiments qui sous-tendent les comportements, ce qu'on va appeler les ressources, donc on associera aux majeurs. Et puis enfin, on parlera de communication, de sensibilisation à la relation à soi-même et aussi aux autres. Et on verra quel impact ça peut avoir notamment sur la confiance et les sentiments qui correspondent au pilier précédent. Et puis on finira par justement ce qui rejoint cette dynamique de capacité d'évolution, c'est-à-dire cette faculté de transformer les situations pour grandir avec les situations. Alors aujourd'hui, après avoir travaillé sur les valeurs hier, eh bien nous allons nous focaliser sur cette notion d'objectif. Et je vous invite, si vous avez de quoi prendre des notes, à noter ce que vous allez entendre pour pouvoir, bien sûr, l'exploiter dans les heures, les jours, les semaines qui vont venir, car nous allons revenir sur des fondamentaux de PNL et notamment sur ce qui va favoriser la capacité à une personne non seulement de s'orienter sur des solutions, mais de faire en sorte que ces solutions se traduisent derrière par des objectifs réalisables. Alors, qu'est-ce que propose la PNL, la programmation neurolinguistique en matière d'objectifs ? Eh bien, de travailler sur l'émergence de 5 niveaux de conscience. Alors, si j'avais d'abord faire je vais faire une petite synthèse d'abord des étapes par lesquelles nous allons passer ce soir. Alors, et puis ensuite, je vous proposerai un exemple précis pour pouvoir vous permettre de répondre en fait à chacun de ces niveaux. Donc, premier niveau, la conscience sur laquelle nous allons amener la personne, c'est la conscience du résultat à laquelle la personne souhaite arriver. Et on verra que pour prendre conscience de ce résultat, eh bien, on va solliciter le système nerveux, nos systèmes sensoriels et principalement le système visuel, auditif et kinesthésique. Pourquoi ? Parce que pour qu'un objectif soit réalisable à travers le cerveau, et notamment le cerveau droit, eh bien, il va falloir qu'on ait des représentations sensorielles et je vais vous montrer comment obtenir cette qualité d'objectif. Donc ce sera la première étape, prendre conscience du résultat. Une fois qu'on aura traversé cette étape, que vous aurez répondu à ces questions de manière suffisamment précise, eh bien nous allons aller sur un deuxième niveau de conscience, qui sera les conséquences de ce résultat. C'est-à-dire qu'on va voir comment, à travers cet objectif que vous êtes donné, quelles sont les satisfactions, les valeurs que vous allez nourrir à travers ça. Au fond, si vous réussissez cet objectif, eh bien, qu'est-ce que vous allez nourrir derrière d'important en premier niveau, puis en deuxième niveau, puis en troisième niveau. Je veux dire par là, qu'est-ce que vous allez nourrir d'important à moyen terme et à long terme. Ça va être la deuxième étape. Et puis, une fois qu'on aura vu ce que vous allez satisfaire pour vous, c'est donc le deuxième niveau, eh bien, on va passer au troisième niveau qu'on appelle les alliances. On aura vu donc les objectifs, avec première étape, le résultat, deuxième étape, la conséquence de ce résultat, et puis enfin, la troisième étape, l'intérêt que les personnes impliquées directement ou indirectement dans cet objectif vont tirer. C'est-à-dire, quel est l'impact positif que vous allez avoir vis-à-vis des personnes concernées par cet objectif, directement ou indirectement. On appelle ça en PNL faire de l'écologie. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte en quelque sorte les conséquences pour votre environnement. Donc on aura vu le résultat, on aura vu les conséquences de ce résultat pour vous, et ensuite on verra l'impact positif que ces conséquences vont avoir pour les personnes directement ou indirectement impliquées. Ce sera donc le troisième niveau. Une fois qu'on en sera là, On va se centrer sur un quatrième niveau, c'est justement les comportements et l'attitude que vous allez devoir mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ce résultat. Et la particularité de cette technique, c'est qu'une fois que vous aurez une bonne vision et de ce que vous voulez et des conséquences pour vous et de votre environnement, vous allez voir qu'il y a une intelligence intérieure qui va vous amener pile sur les attitudes qui vont conditionner ce résultat. Puisque je vous le disais encore hier, les résultats sont la conséquence de vos comportements. Et on verra comment dans ce processus, nous allons faire émerger cette attitude qui est en phase, en quelque sorte, avec le résultat que vous voulez. On va donc parler de comportement, ce sera notre quatrième étape. Et puis enfin, la dernière étape, et vous allez voir, ce n'est pas des moindres, on va aller chercher à travers cet objectif, à travers la conscience que vous avez du résultat et de la satisfaction que vous allez en tirer derrière, on va aller chercher cette énergie qui est générée par cette conscience de ce résultat, qu'on va appeler un état ressource. Vous allez entrer dans cet état ressource et je vais vous montrer comment vous allez étendre et amplifier cet état ressource pour enfin associer à un niveau plus profond, à ce sentiment de ta ressource, ces différentes étapes, c'est-à-dire reprendre conscience du résultat, toujours en étant associé à cet état ressource, reprendre conscience des conséquences de ce résultat, toujours associé à cet état ressource, puis enfin de l'intérêt que ça a pour les personnes impliquées, et enfin des comportements spécifiques qui vous semblent intelligents de mettre en œuvre, et puis enfin de vérifier que cet objectif est finalement bon et juste pour vous. Et c'est comme ça que vous allez intégrer à un niveau plus profond, à travers ce processus, les dimensions qui vont vous permettre de faciliter l'atteinte de cet objectif. Alors maintenant que le plan est donné, je vais vous proposer de traverser chacune des étapes avec moi. Donc, je vous propose de penser à un objectif. Et la première chose, quand vous voulez définir un objectif, c'est de définir le contexte de cet objectif, puisqu'on va voir que pour que cet objectif soit réalisable, il nous faut un contexte précis. On va voir comment l'élaborer en matière de représentation mentale dite positive, puisque notre inconscient ne peut pas voir en négatif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas, par exemple, imaginer que quelqu'un soit tendu. Si je veux être moins tendu, vous voyez, j'entends tendu, donc il va falloir que j'aille chercher le mot qui soit en correspondance avec le résultat. Par exemple, je me sens détendu, ou calme, ou reposé, etc. Voilà, donc il va falloir des critères visuels positifs, il va nous falloir un contexte, et puis surtout, ce qui va être très très important, c'est d'être précis. Et alors, je vous le disais en entrée, pour être précis, on va l'être sur 3 niveaux, sur le plan visuel, sur le plan auditif et sur le plan kinesthésique, c'est-à-dire lié au ressenti. Alors, imaginez que vous avez par exemple une situation importante sur laquelle vous voulez vous améliorer. Exemple, imaginons par exemple que vous souhaitez améliorer votre relation avec vos proches, par exemple vos enfants. Et vous dites, c'est vrai que je voudrais passer un peu plus de temps et à travers ce temps, surtout un temps de qualité avec mes enfants. Pour ça, je vais vous proposer de fixer un objectif en vous représentant ce que serait pour vous une attitude relationnelle de grande qualité. Pour ça, vous allez imaginer à 1 mètre devant vous que vous arrivez, alors un contexte, par exemple, ça peut être le salon, ou votre cuisine, ou quoi que ce soit, mais pensez à un contexte précis. Identifiez-vous, voyez-vous comme si vous étiez au cinéma ou au théâtre. Et là, vous allez faire un zoom très précis sur l'attitude. On va commencer par ce que vous pouvez voir et on va aller chercher dans le visuel au moins 3 critères. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt droit ou est-ce que vous êtes plutôt penché? Est-ce que vous êtes plutôt souriant? Est-ce que vous êtes plutôt bien enraciné? Comment vous respirez? Bref, faites-vous une image de vous si vous étiez au top, c'est-à-dire au meilleur de vous-même dans cette relation demain matin avec vos enfants. Imaginez que demain matin, vous les rencontrez, par exemple, juste avant le petit déjeuner, vous allez les réveiller, et là, vous dites, je suis vraiment au top. Comment je suis physiquement? Quelle est l'attitude dans laquelle je suis? Est-ce que je souris? Est-ce que je respire? Comment? Dans quel élan je suis? Dans quel mouvement je suis? Visualisez ça, et vous pouvez même aller chercher des exemples, si vous voulez, mais c'est très important que vous ayez une image mentale d'exactement ce que c'est que pour vous d'être au top dans votre relation. Donc, une fois qu'on a le visuel, on va aller maintenant chercher l'auditif. Donc, gardez bien cette image devant vous, fermez légèrement les yeux et maintenant, écoutez le timbre de votre voix. Et là, répondez aux questions suivantes. Est-ce que vous avez une voix qui est plutôt rapide? Est-ce que vous êtes plutôt lente? Est-ce que vous parlez plutôt haut ou plutôt bas? Est-ce que votre intonation est élevée ou plutôt faible? Est-ce que, etc. Écoutez le timbre de votre voix quand vous êtes au top, quand votre voix est au meilleur d'elle-même. Donc, c'est pas le contenu de ce que vous dites qui compte, mais la manière dont vous le dites à un niveau auditif. Donc, maintenant, vous avez le visuel, votre attitude, puis enfin, vous avez l'auditif. Ça, c'est le deuxième point le plus important. Écoutez bien la voix que vous avez quand vous êtes au meilleur de vous-même dans cette relation. Identifiez ces critères. Et puis enfin, demandez-vous dans quel élan intérieur vous êtes, c'est-à-dire dans quel ressenti êtes-vous. Est-ce que vous êtes plutôt porté? Est-ce que vous êtes plutôt enraciné intérieurement? Est-ce que vous êtes plutôt ouvert? Est-ce que vous êtes plutôt curieux? Est-ce que vous êtes plutôt enthousiasme? Est-ce que vous êtes plutôt fermé? Etc. etc. Observez-vous au meilleur de vous-même. Donc vous avez l'image physique, vous avez le son, vous avez réglé le son, et enfin, identifiez la sensation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire ce que vous allez communiquer sur un plan non-verbal. C'est le plan le plus important. Une fois que vous avez cette image-là, eh bien, c'est très simple, vous allez vous dire, si au fond, je communiquais comme ça plus souvent avec mes enfants quand je les réveille le matin, eh bien, quelles conséquences ça pourrait avoir pour moi en tant que parent? Quelles conséquences ça pourrait avoir si j'étais juste un peu meilleur chaque matin, voilà, pendant une semaine ou 15 jours ou 3 semaines, quelles conséquences je vais en tirer? Et là, je vous demande de prendre le temps de répondre à cette question. Si j'avais une meilleure relation avec mes enfants, qu'est-ce que je vais en tirer derrière de vraiment important pour moi? Première réponse. Hein, par exemple, je vais me sentir vraiment dans mon rôle de parent, et ça, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Ok. Premier point. Deuxième fois, si je suis plus souvent là-dedans, eh bien, je vais sentir que je vais prendre de l'assurance et je prends de la responsabilité à travers ça. Ok, super. Quoi d'autre encore? Si je prends de la responsabilité, je sens que je vais être inspirant à l'avenir pour mes enfants et que ça peut avoir une conséquence importante dans leur vie, mais aussi dans la descendance. Pourquoi? Parce que j'ai senti l'attitude et qu'en changeant d'attitude, je finis par changer d'altitude, vous voyez, en quelque sorte. Je vais chercher ces valeurs importantes de responsabilité, d'engagement, d'inspiration en quelque sorte, ou de modèle que j'ai envie de dégager, et je vérifie que ces valeurs sont vraiment importantes pour moi et que cet objectif est bien en train de nourrir ce système de valeurs si important pour moi. Hein, ces valeurs qu'on a évoquées hier, ces valeurs par exemple d'évolution, de qualité de vie, enfin bref. Voilà, donc je vérifie que cet objectif que je me suis représenté est bien un moyen important de satisfaire ces valeurs et ces aspirations profondes pour moi. Une fois que j'en suis là, on vient de finir le deuxième niveau, on va se dire, tiens, et si je me mettais quelques secondes à la place de ce petit bonhomme, de ce petit bout de chou, ces enfants, me voyant arriver dans cette qualité d'énergie, dans cette qualité de ton, dans cette qualité d'attitude, eh bien, qu'est-ce que je pourrais, moi, ressentir en tant que petit bout de chou, à travers cette voix, à travers cette attitude, à travers ce regard de qualité? Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer de bon aujourd'hui dans ma vie? Voilà. Mettez-vous une seconde à la place des personnes et vérifiez que en quoi cette attitude est-elle importante pour les personnes qui sont directement, voire indirectement concernées, ça peut être vos proches, un peu plus éloignés. Demandez-vous à quoi vous allez satisfaire chez eux, à quoi vous allez répondre d'important vis-à-vis de ces personnes concernées. Une fois que j'ai commencé à avoir des réponses à l'égard de, par exemple, de vos enfants, hein, sur un niveau, sur 2 niveaux, sur 3 niveaux, encore une fois, eh bien, vous pouvez reprendre votre place et vous dire, voilà, 1, j'ai mon objectif, 2, j'ai maintenant conscience des conséquences que ça a pour moi à moyen terme et à long terme, hein, par rapport aux valeurs qui sont importantes de ma vie. Et puis enfin, je prends conscience aussi de l'impact, si je me mets à la place des personnes concernées, de ce que peut avoir cet objectif pour moi et pour leur vie, pour leur énergie, pour leur façon d'aborder leur journée, etc. Et aussi pour les conséquences que ça peut avoir à moyen terme ou à long terme pour eux. Enfin, à partir de là, je me dis, tiens, comment je réussis comme ça? On arrive au niveau 4, vous voyez, ça s'enchaîne assez vite. Quand on arrive au niveau 4, on se dit, tiens, pour obtenir ce résultat, quand je fonctionne comme ça, quelles sont les attitudes que j'ai dans cette situation que je perçois que je n'ai pas toujours? Qu'est-ce que je fais de différent que je ne fais pas toujours? Quelle est l'attitude, quel est le comportement? Première chose qui vous vient à l'esprit. Alors, par exemple, c'est peut-être le fait de sourire à ce niveau-là. Ça, c'est le truc que je ne fais pas toujours avec autant d'attention. Deuxième chose, c'est l'enthousiasme que je vais montrer à travers mon corps, à travers mon ouverture, à travers mon attitude. Enfin, troisième chose, c'est le ton de voix. Je me rends compte que là, j'ai une voix plus douce ou plus chaleureuse, etc. C'est juste un ton au plus de l'habitude. Ben, voilà les 3 attitudes qui vont faire une différence. Et c'est très important d'être précis parce que en matière de gestion mentale, c'est la précision qui vous donnera de la puissance. Donc, identifiez ces petits comportements qui font une différence et faites-en une chose essentielle parce que c'est comme dans le sport de haut niveau, c'est ces petites différences qui font que vous passez sur la marche d'au-dessus. Et donc, c'est ça qui fait votre excellence. Identifiez ces comportements que vous n'avez pas toujours, mais qui, quand vous les avez, font une véritable différence. Donc, on a vu l'attitude, on a vu par exemple le sourire, et on a vu le ton de voix. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis enfin, je vous propose, on va arriver à la cinquième étape, eh bien de fermer les yeux, d'imaginer que ce que vous venez de visualiser, de vivre, c'est dans votre dos. C'est-à-dire que vous venez de sortir de la chambre de vos enfants, vous venez de les réveiller avec cette qualité de présence, cette qualité de relation, et là vous ressentez la satisfaction. Et vous demandez dans quelle partie de vous, là il va falloir fermer les yeux si vous voulez me suivre là-dessus, et demandez dans quelle partie de vous vous ressentez ça le plus, intérieurement. Où est-ce que vous localisez cette sensation? Y mettez-vous un... Vous pouvez mettre un nom, un titre, hein, par exemple, le sentiment de fierté, de grandeur, d'enthousiasme, d'excitation, enfin bref, mettez un mot qui correspond à la sensation que vous avez et demandez-vous, tiens, si cette sensation était une couleur, si vous allez voir comment on va utiliser le cerveau là pour étendre ça, si cette sensation était une couleur, ce serait plutôt quoi? Et là, vous allez laisser diffuser intérieurement cette sensation, un peu comme si chacune des parties de vous-même pouvait ressentir pleinement cette sensation, cette couleur, imaginons que ce soit du rouge, et bien ça s'étend dans l'ensemble de mon corps, jusqu'au moment où j'ai le sentiment de me remplir dans la tête, dans le corps, dans les membres, dans les jambes, dans les bras, dans les doigts, dans les cheveux, bref, je suis complètement rempli de cette sensation, et ensuite je vais laisser s'étendre autour de moi cette sensation, rayonner cette sensation, ce sont des représentations mentales, mais qui permettent d'amplifier cette sensation ressource, et alors vous êtes pleinement et totalement investi de cette énergie, vous allez maintenant reprendre votre objectif tout en restant en contact avec ces énergies, c'est-à-dire repenser à cet objectif comme si vous retourniez comme ça pour la cinquième, la dixième, la centième fois, de vous revoir au meilleur de vous-même dans cette situation, dans les attitudes, hein, à la fois corporelles, mais aussi dans les attitudes oratoires, et puis enfin dans cette dynamique, cette énergie intérieure, et tout en restant dans cette sensation, repenser aux conséquences que ça va avoir, non seulement pour la semaine qui vient, mais pour les mois qui viennent, voire pour les années qui viennent, pour vous, et à long terme, dans votre vie à vous, hein, et aussi dans la relation que ça peut avoir avec les autres, donc à commencer par vos enfants, quelles conséquences ça peut avoir pour eux, si vous mettez quelques minutes à la place d'avoir un parent qui a une telle attitude avec lui-même, quelles conséquences ça peut avoir au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, non seulement pour toute leur descendance, et puis enfin, réidentifier, rester bien en contact avec la sensation, réidentifier à partir de cette sensation de rayonnement rouge, réidentifier les attitudes spécifiques qui font la différence au moment où vous montez d'un cran sur certaines attitudes, à savoir dans la posture, dans le sourire, dans l'ouverture, dans le ton de voix, dans cette énergie qui vous anime, et puis enfin vérifier que fonctionner comme ça, maintenant et à l'avenir, quand vous réveillez vos enfants le matin, c'est quand même quelque chose de différent, et vous vous rendez compte à quel point vous pouvez vivre une vie d'intensité, de valeur, d'importance, par des petites choses, et faire de ces petits moments des grands moments de qualité, vérifier que tout ça fonctionnait comme ça, intégrer cette dimension comme ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de bon et de chouette pour vous. Une fois que vous avez pu vérifier ça intérieurement, eh bien, vous pouvez revenir ici, imaginer peut-être même vous reproduire, c'est-à-dire imaginer même d'autres situations dans lesquelles vous pouvez aborder vos enfants de la même façon, que ce soit au petit déjeuner, que ce soit quand ils rentrent de l'école, que ce soit quand vous-même rentrez du boulot. Bref, imaginez ça, contextualisez ça dans d'autres situations. Et puis enfin, une dernière chose importante, connectez-vous à cet intérieur, cette ressource, et réaliser que ce qui est en vous là et qui mobilise ce type de comportement, c'est quelque chose qui a toujours été là et que peut-être aussi loin vous puissiez revenir en arrière, peut-être même dans votre jeunesse, dans votre adolescence, dans votre enfance même peut-être, quand vous étiez enfant, vous étiez déjà animé parfois de cette énergie, car cette énergie fait partie intégrante de votre personne et vous allez pouvoir prendre conscience qu'elle est en vous et que vous pouvez la remobiliser aussi souvent que vous le souhaitez. Et on verra demain, sur la prochaine séquence, comment on va pouvoir aller rechercher cette énergie, comment on va pouvoir l'intensifier à partir de références passées, et comment vous allez pouvoir, dans une situation un petit peu plus compliquée, c'est-à-dire une situation un petit peu plus difficile, aller chercher cette ressource pour pouvoir faire une vraie différence. Donc demain, on va aller un petit peu plus loin sur la dimension des ressources, puisqu'on sera sur le troisième pilier, notre troisième pilier, celui des comportements, et comment pour intégrer de manière plus puissante encore ces attitudes gagnantes, comme diraient mes amis, je pense à David Laroche, que vous avez peut-être plus vu sur Internet, comment cette attitude gagnante est d'abord conditionnée par une énergie, une qualité d'énergie. C'est pas forcément une grande intensité, mais c'est une qualité d'énergie intérieure, et c'est ça qu'on va identifier demain, c'est comment aller chercher ces trésors qui sont en vous et qui sont en vous depuis bien longtemps mais que parfois la vie vous a amené à éteindre. Comment se reconnecter à ces dimensions, comment faire une différence à travers vos comportements grâce à cette dimension, c'est ça que nous allons travailler demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, profitez de la vie, profitez aussi de la qualité de ce que vous pouvez vivre avec vos proches, avec vos amis, profitez profitez de l'été à fond, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et de vos proches. Merci encore à vous et à demain. Merci Paul Pyronnet pour cette deuxième intervention à l'occasion de la semaine francophone de la PNL. Nous nous retrouvons donc dès demain 20h45 heure de Paris, 14h45 heure de Québec pour un nouveau direct avec Paul Pyronnet. C'était donc la semaine francophone de la PNL en direct de Prémillon la lavendras. Merci à tous, à demain et merci Paul.